Deze week in Lierse TV, een voorbeschouwing op A-agent Lierse met Karim Saidi. Een verslag van een doelpuntenfestival van onze jeugd. We nemen jullie mee binnen in het oefencomplex. En Nathan Goris is onze tweede kandidaat voor het spelletje 30. In de aanloop naar de wedstrijd in de Gilamco Arena van zaterdag tegen A-agent spraken we met Karim Saidi. De centrale verdediger kijkt met gemengde gevoelens terug op de 1-9 die Lierse neerzette de voorbije drie wedstrijden. Au niveau solidarité, donc on est là. Si vous voyez aussi les points qu'on a perdus, surtout le dernier match, je pense qu'on mérite de gagner cercle. Donc dommage pour nous pour le 3 points qu'on a raté. Et aussi on joue la première match à la saison 2013-2014. Contre un adversaire solide, un adversaire que je vis en ballon, un adversaire qui était l'année dernière deuxième champion belge, c'était Zult. Je pense à la fin, on a fait un bon match au niveau solidarité. C'est difficile quand il y a des nouveaux joueurs dans l'équipe, mais pour nous, je suis content pour l'équipe aussi, je suis content aussi pour le nouveau joueur. On avait beaucoup d'intégration aux nouveaux joueurs. Et là, on doit travailler de plus. Mais je sais que les supporters, ils sont un peu déçus. Nous aussi, on est un peu déçus par rapport aux résultats. 3 matchs, on prend seulement 1 point. Et aussi, il faut voir les matchs au côté positif. Parce que nous, maintenant, ce n'est pas l'équipe que l'année dernière. On joue bien au ballon. C'est vrai, on joue bien au ballon, mais à la fin, on perd les matchs. Mais ça va arriver avec l'entraîneur. On essaie de jouer. Mieux que l'année dernière. Een nieuwe trainer brengt altijd een nieuwe aanpak met zich mee. En dat geldt ook voor de centrale verdedigers. On avait un nouveau entraîneur, donc lui vient avec son tactique. Donc pour nous, c'est pas comme l'année dernière. Moi personnellement, nous maintenant, il nous demande de prendre un peu les risques au niveau avancer avec le ballon, au niveau aussi la relance. Moi je connais les entraîneurs hollandais, moi j'ai passé aussi par Feyenoord. Donc je connais comment les joueurs, les entraîneurs, ils demandent. Et beaucoup de risques au niveau circulation du ballon, parfois aussi nos défenseurs qui ont fait le jeu. Si vous voyez aussi le dernier match de cercle, donc moi et Ariane, on commence de tourner le ballon et dans tout coup, il faut trouver la bonne solution pour avancer plus avec le ballon. Donc le coach, il nous demande. Il nous fait confiance, donc ça c'est bien. Et nous, on essaye de le faire, malgré qu'on fait un peu des erreurs, mais il faut le faire, voilà. Net als vorig seizoen is er best wat concurrentie in het centrum van de verdediging. Cette année, ou bien l'année dernière, on avait beaucoup de concurrence. Aussi, l'année dernière, j'ai pas commencé. Benjamin Lambeau, il a pris mon place, elle a fait des bons matchs. Et après, j'ai reprenais de mon blessure, j'ai joué aussi tous les matchs presque. Et après, à la fin de saison, Frédéric, elle a reprenait à jouer et moi j'ai commencé un milieu défensif. Donc c'est bien d'avoir la concurrence. Je sais que Frédéric aussi et Walter, ils sont avec nous dans l'équipe ici, ils font des bons entraînements, je sais qu'ils veulent jouer. Mais bien sûr, c'est ça la concurrence. Moi je suis capable de faire la concurrence. Donc après c'est la décision de l'entraîneur. Moi je trouve la concurrence dans une équipe c'est très important. Par exemple, si tu joues titulaire et tu n'as pas une concurrence sur le banc, il te donne un peu de relâchement, tu vois. Lierse treft zaterdag dus AA Gent, een ploeg die heel wat ambitie toont voor dit seizoen. Sur le papier, c'est vrai, Gent, c'est une bonne équipe à jouer. Heureusement, comme Dimboyo qui est parti à Genk, on n'est pas peur de lui, mais c'est un bon joueur à jouer, c'est un bon joueur qui crée
comme on dit, les occasions. Donc, je me souviens aussi, on a déjà joué l'année dernière contre Gent chez nous. Donc, j'ai marqué un but. Et aussi, l'année dernière, on a déjà battu Gent ici 2-1. Donc, tout est possible dans le foot. Il ne faut pas relâcher. Donc, il ne faut pas mettre Gent ou bien Standard dans la tête. C'est un grand adversaire. Avec notre coach, il aime jouer au ballon malgré qu'on perd, mais il veut qu'on joue au ballon. Il ne faut pas être peur de prendre le ballon ou bien de demander le ballon. Donc c'est positif pour nous, voilà. Gent liet hem mooi overtrekken en rekent nu op Petersen in de spits. Een type aanvaller waar Saidi en Swinkels al eerder tegen speelden dit seizoen. Un bon attaquant qui garde bien le ballon, qui a un bon jeu de tête. Et voilà, moi il n'y a rien, c'est vrai qu'on on passe, c'est pas des moments difficiles dans le match, mais c'est vrai qu'on tombe sur des attaquants qui sont costauds, mais on est capable de le faire, voilà, pourquoi pas. Gent heeft heel wat kwaliteit in de ploeg, maar Saidi wil zeker niet te veel respect tonen en uitgaan van de eigen kwaliteiten. Moi personnellement, je dois être confiance à mes joueurs parce qu'on est capable de le faire. Et ben voilà, c'est pas Peterson ou bien les autres qui vont nous fait peur, tu vois. Peterson aussi est un bon joueur avec mon grand respect pour lui. Et nous aussi, on est des bons joueurs quand on est capable de sortir bien avec le ballon. Et si on fait, l'entraîneur aussi, il attend la solidarité de match de Zult. Donc, je pense, moi, j'ai confiance à mes joueurs. Donc, pourquoi pas qu'on est capable de le faire, voilà. Il ne faut pas peur de Gent aussi. In onze jeugdmatch van de week bekijken we onze U14 Nationaal, die het opname tegen Capelle. In het jeugdcentrum van Kessel werd het een waar doelpuntenfestival. Come on.
Er waait een nieuwe wind door Lierse en dat vertaalt zich ook buiten het Herman van der Poortenstadion. Ons oefencentrum Tsas is een moderne thuis voor onze spelers en staf. Hoe prachtig de velden eruit zien, weten jullie al. Maar hoe ziet het trainingscomplex er nu langs de binnenkant uit? Deze week geven we jullie een exclusieve rondleiding. Nog een kwartier. Om correct te zijn, 13 minuten. Are you a football player? Yes, you might. You might. 6. Deze lege muren zijn het enige wat we nog graag zouden aankleden. En daarvoor rekenen we op jullie. Maak een ontwerp en stuur het ons door. Dit is jouw unieke kans om jouw eigen creatie te verewigen in het oefencentrum van Kaal-Lierse SK. De beste 3 creaties krijgen een plekje. Meer informatie vind je op onze website. Vorige week begonnen we bij Lierse TV met het spelletje 30. De bedoeling is dat onze spelers met zo weinig mogelijk pogingen op verschillende plaatsen op en in het doel proberen te schieten. En zo een puntentotaal van 30 proberen te verzamelen. De lat is 10 punten waard, de kruising 7, de paal 5 en voor een gewoon doelpunt krijgen onze spelers 1 punt. Het is wel belangrijk dat ze op exact 30 punten uitkomen. Als een speler bijvoorbeeld 25 punten heeft en op de lat schiet, moet hij terug van 25 beginnen. Thomas Wils had vorige week 16 pogingen nodig. De tweede in de rij is Nathan Ngoris. Is de bedoeling een overschotten of wat? 15. Als jij dan wilt, dan ben ik zo. Ja, ik moest nog één. Ik ben 21, dat is kut. Want dan moet jij er altijd. Avec quoi? Avec la quoi? Julien! Oké, ça va. 27. Dat is wel 28. Met 15 pogingen doet Nathan Goris het net eentje beter dan Thomas Wils. Nathan staat dus nu op kop van het klassement.